Salut tout le monde, voilà donc pour ce petit battle, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'aime bien en faire de temps en temps quand même. Donc aujourd'hui c'est un battle avec la Porsche 918 vs la Porsche 919 qui est plus un battle pour la science hein, étant donné que la 919 n'existe pas vraiment, elle n'est qu'à l'état de concept car IRL et même pas réellement roulante, donc bon. Voilà, mais en tout cas je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, vu que ça me paraît un peu cohérent entre guillemets, vu qu'elles sont sœurs si on peut dire. Même si sans surprise, bah, la 919 est largement plus rapide, je vais vous avouer que faire ce test avec la 918 c'était finalement pas si simple, hein, parce que j'ai conduit en premier la 918, après j'ai fait tous les runs avec la 900... Enfin j'ai conduit en premier la 919, après tout avec la 918, mais elle est tellement lente par rapport à la 919 que c'est pas terrible. Donc voilà, sur aucune bataille la 918 remporte, à part la Vmax d'un petit kilomètre heure, donc voilà, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle gagne là-dessus? Mais sinon, bah la 919, c'est vrai que c'est une très très bonne hypercar, je l'aimais pas trop quand elle est sortie, c'était un truc un peu spécial comme je vous l'avais dit, puis finalement, bah c'est une hypercar que j'adore conduire, et je trouve même que c'est presque l'une des meilleures hypercars pour moi. On a une énorme puissance nitro, une très bonne accélération, un bon freinage, une maniabilité qui finalement est très bonne à haute vitesse avec un setting correct et son point noir finalement c'est juste à très très basse vitesse où ça a du mal à pivoter. Bref, très bonne voiture. Et puis la 918, bah elle est pas mauvaise en soi, mais par rapport à la 919 elle est mauvaise, mais voilà, la 918 manque un peu de patate. Après ça reste une voiture cool à conduire, surtout sur des tracés un petit peu moins sinueux. Bref, voilà, c'était pour ce battle. N'hésitez pas à me dire bah, du coup ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, il y a peut-être des chances que le format des battles je refasse, mais un peu différemment avec la nouvelle map. Faudra voir s'il y a des possibilités de faire un petit peu plus de trucs avec des routes peut-être un peu plus droites, notamment pour les tests d'accélération, ce sera un petit peu mieux que le test actuel. Mais voilà, du coup, pour ce petit test et cette petite vidéo, bref, si elle vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner, activer la cloche. Et puis du coup, bah, moi je vous laisse déjà là, et puis on se retrouve demain, mardi, donc à 18h, pour la découverte de la nouvelle map en exclusivité. Bref, bye tout le monde.